prévenez à tous que je vous distribue mes ordres pour tantôt et règle à chacun son emploi. Approchez, Dame Claude. Commençons par vous. Bon, vous voilà les armes à la main. Je vous commets au soin de nettoyer partout et surtout de ne point frotter les meubles trop fort de peur de les user. Bon, vous, Brin d'Avoine, et vous, la Merluche, je vous établis dans la charge de rincer les verres et de porter à boire, mais seulement lorsque nous aurons soif. Et ressouvenez-vous de porter toujours beaucoup d'eau. Eh, ça vous... Oui, le vin pur monte à la tête. Et gardez bien de gâter vos habits. Vous savez bien, monsieur, qu'un des devants de mon pourpoint est couvert d'une grande tache d'huile de la lampe. Et moi, monsieur, que j'ai moins de choses tout trouées par derrière et qu'on me voit révérence parler. Fait, rangez cela adroitement du côté de la muraille et présentez toujours le devant au monde. Et vous, tenez toujours votre chapeau ainsi lorsque vous servirez. Pour vous, ma fille, préparez-vous à bien recevoir ma maîtresse qui doit vous mener avec elle à la foire. Entendez-vous ce que je vous dis ? Oui, mon père. Et pour vous, mon fils, n'allez pas vous aviser non plus de lui faire mauvais visage. Moi, mon père, et par quelle raison ? Mon Dieu ! Mais si vous pensez que je perds le souvenir de votre dernière fraudaine, je vous recommande surtout de régaler d'un bon visage cette personne-là et de lui faire tout le meilleur accueil qu'il vous sera possible. À vous dire le vrai, mon père, je ne vous promets pas d'être bien aise qu'elle devienne ma belle-mère. Mais ce qui est de bien la recevoir et de lui faire bon visage, je vous promets de vous obéir ponctuellement sur ce chapitre. Prenez-y garde, au moins. Vous verrez que vous n'aurez pas de sujet à vous en plaindre. Vous ferez sagement. Valère, aide-moi ceci. Oh ça, maître Jacques, approchez. Je vous ai gardé pour le dernier. Est-ce à votre cocher, monsieur, ou bien à votre cuisinier que vous lui parlez, car je suis l'un et l'autre. C'est à tous les deux. Mais à qui des deux le premier? Au cuisinier. Attendez, donc, s'il vous plaît. Quelle cérémonie est-ce là? Vous n'avez qu'à parler. Je me suis engagé, maître Jacques, à donner ce soir à souper. Grande merveille. Dis-moi un peu, nous feras-tu bonne chère? Oui, si vous me donnez bien de l'argent. Voilà une belle merveille que de faire bonne chère avec bien de l'argent. Mais pour agir en gentilhomme, il faut faire bonne chère avec peu d'argent. Bonne chère avec peu d'argent? Oui. Combien serez-vous de gens à table? Nous serons 8 ou 10. Mais s'il y a assez à manger pour 8, il y en a bien pour 10. Apprenez, maître Jacques, que c'est un coupe-gorge qu'une table trop remplie de viande. Et que selon le dire d'un ancien, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Ah, que cela est bien dit! Approche que je t'embrasse pour ce mot. C'est la plus belle sentence que j'ai entendue de ma vie. Il faut vivre pour manger et non pas manger pour vivre. Non, ce n'est pas cela. Comment est-ce que tu dis? Qu'il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Souviens-toi de m'écrire ces mots. Je vais les faire graver en lettres d'or sur la cheminée de ma salle. Je n'y manquerai pas. Et pour votre souper, laissez-moi faire. Fais donc. Maintenant, maître Jacques, il faut nettoyer mon carrosse. Attendez, ceci s'adresse au cocher. Vous dites qu'il faut nettoyer mon carrosse et tenir mes chevaux tous prêts pour conduire à la foire. Vos chevaux, monsieur, ils ne sont pas du tout en état de marcher. Les voilà bien malades, ils ne font rien. Et pour ne faire rien, monsieur, et s'il ne faut rien manger? Cela me fend le cœur de les voir ainsi exténués. Comment voudrez-vous qu'ils traînassent un carrosse alors qu'ils ne peuvent pas se traîner eux-mêmes? J'obligerai le voisin à se charger de les conduire. Soit, j'aime mieux encore qu'ils meurent sous la main d'un autre que sous la mienne. Je suis fâchée tous les jours d'entendre ce qu'on dit de vous. Et après, mes chevaux, vous êtes la personne que j'aime le plus. Et pourrais-je savoir de vous, maître Jacques, ce que l'on dit de moi? Oui, monsieur, si j'étais assurée que cela ne vous fâche à point. Non, en aucune façon. Pardonnez-moi, je sais fort bien que je vous mettrai en colère. Non, au contraire, et c'est me faire plaisir. Je suis bien aise de savoir que l'on parle de moi. Je vous dis... Oui, monsieur, je vous dirai franchement qu'on se moque partout de vous. Celui-ci que l'on vous sortait une nuit en venant dérober vous-même l'avoine de vos chevaux et que votre cocher qui était celui d'avant moi vous donna dans l'obscurité je ne sais combien de coups de bâton dont ne voulut rien dire. Enfin, voulez-vous que je vous dise, vous êtes la risée de tout le monde et jamais on ne parle de vous que sous les noms d'avare, de lard et de vilain. Vous êtes un sot, un maraud, un coquin et un impudent. Je vous l'avais bien dit que je vais vous mettre en culé. Apprenez à parler. Est-ce que je puis voir, maître Jacques? On paie mal votre franchise? Morbleu, monsieur Ludoux est venu. Guidez de vos coups de bâton quand on vous en donnera et ne venez point avec des miens. Monsieur maître Jacques, ne vous fâchez pas, je vous prie. Ça, il file doux. Savez-vous bien, monsieur Rière, que je ne ris pas, moi?
et que si vous me chauffez la tête, je vous en ferai rire d'une autre sorte. Doucement. Comment doucement? Il ne me met pas à moi. De grâce. Vous êtes un impertinent. Monsieur Maître Jacques. Si je prends un bâton, je vous recevrai. Comment? Un bâton? Je ne parle pas de cela. Savez-vous bien, monsieur, que je suis homme à vous rosser vous-même? Je n'en doute pas. Et que vous n'êtes qu'un faquin cuisinier. Peste sur la sincérité. Désormais, j'y renonce. Mais pour ce monsieur l'intendant, je m'en vengerai si je le puis. Savez-vous, Maître Jacques, si votre maître est au logis? Oui, vraiment, il y est. Je ne le sais que trop. Dites-lui, je vous prie, que nous sommes ici. Ah, que je suis frozée dans un étrange état. Mais pourquoi et quelle est votre inquiétude? Hélas, me le demandez-vous? Je vois bien que le jeune blondin dont vous m'avez parlé vous revient un peu dans l'esprit. Oui, et sa visite en fait, je vous l'avoue, quelques effets dans mon âme. N'avez-vous su quel il est? Non, je ne sais point quel il est, mais je sais qu'il est fait d'un air à se faire aimer. Mon Dieu, tous ces blondins sont agréables, mais la plupart sont gueux comme des rats, et il vaut mieux pour vous prendre un vieux mari qui vous donnera beaucoup de bien. Mon Dieu, frozée, c'est une étrange affaire. Lorsque pour être heureuse, il faut attendre ou souhaiter le trépas de quelqu'un. Vous moquez-vous, vous ne l'épousez qu'aux conditions de vous laisser veuve bientôt, et ce doit être là un des articles du contrat. Il serait bien impertinent de ne pas mourir dans 3 mois. Le voici en propre personne. Mon Dieu, Frosine, quelle figure! Ne vous enfoncez pas, ma belle, si je viens à vous avec des lunettes. C'est avec des lunettes qu'on observe les astres, et je maintiens avec garantie que vous êtes un astre. Ne me témoigne, ce me semble, avec aucune joie de me voir. C'est qu'elle est encore toute surprise. Tu as raison, belle mignonne. Voilà ma fille qui vient vous saluer. Je m'acquitte bien tard, madame, d'une telle visite. Vous avez fait, madame, ce que je devais faire, et c'était à moi de vous prévenir. Oh, l'homme déplaisant! Que dit la belle? Qu'elle vous trouve admirable. C'est trop d'honneur que vous me faites, adorable mignonne. Quel animal! Voici mon fils qui vient vous faire la révérence. Oh. Ah, Frosine, quelle rencontre! C'est justement celui dont je t'ai parlé. L'aventure est merveilleuse. Je vois que vous étonnez de voir si grands enfants, mais je serai bientôt défaite de l'un et de l'autre. Madame, mon père ne m'a pas peu surpris lorsqu'il m'a dit tantôt le dessein qu'il avait formé. Je puis dire la même chose, c'est une rencontre improbable qui m'a surprise autant que vous, et je n'étais point préparée à une pareille aventure. Il est vrai que mon père, madame, ne peut pas faire un plus beau choix. Et vous voulez bien enfin que je vous dise, avec la permission de mon père, que si les choses dépendaient de moi, cet hymen ne se ferait point. Voilà un compliment bien impertinent. Et moi, pour vous répondre, j'ai à vous dire, et si je m'y vois forcée par une puissance absolue, que je ne consentirai point au mariage qui vous chagrine tant. Elle a raison. Je vous demande pardon, ma belle, de l'impertinence de mon fils. C'est un jeune sot qui ne sait pas encore ce qu'il dit. Je vous promets que ce qu'il m'a dit ne m'a point du tout offensé. Au contraire, il me fait plaisir de m'expliquer ses véritables sentiments. Le temps le rendra plus sage et vous verrez qu'il changera de sentiment. Non, mon père, je ne suis pas capable d'en changer et je prie instamment madame de le croire. Et voyez, et continuez encore plus fort. Voulez-vous que je trahisse mon cœur? Encore? Eh bien, puisque vous voulez que je parle de toute façon, souffrez, madame, que je me mette ici à la place de mon père et que je vous avoue que je n'ai rien vu de plus charmant que vous. Doucement, mon fils, s'il vous plaît. C'est un compliment que je fais pour vous à madame. Mon Dieu, j'ai une langue pour m'expliquer moi-même.
Madame, n'avez-vous jamais vu un diamant plus vif que celui que mon père a au doigt ? Il est vrai qu'il brille beaucoup. Il faut que vous le voyez de près. Il est fort beau, sans doute, et jette quantité de feu. Madame, c'est un présent que mon père vous fait. Moi ? N'est-il pas vrai, mon père, que vous voulez que madame le garde pour l'amour de vous ? Comment ? Belle demande ! Il me fait signe de vous le faire accepter. Je ne veux point. Le voilà qui se scandalise de votre refus. Ah, traître ! Vous voyez qu'il se désespère. Bourreux que tu es ! Que de façon garder la bague puisque monsieur le veut. Pour ne pas vous mettre en colère, je la garde maintenant et je prendrai un autre temps pour vous la rendre. Monsieur, il y a là un homme qui veut vous parler. Dis-lui que je suis empêchée et que je reviens autrefois. Il dit qu'il vous apporte de l'argent. Comment ? Je vous demande pardon, je reviens tout à l'heure. Vous êtes-vous fait mal ? Le traître, assurément, a reçu de l'argent de mes débiteurs. Bourreau, que viens-tu faire ici ? Vous dire que vos deux chevaux sont déférés. Qu'on les mène promptement chez le maréchal. En attendant qu'ils soient ferrés, je vais faire pour vous, mon père, les bonheurs de votre logis. Et conduire madame dans le jardin. Valère, aie un peu l'œil à tout cela. Et prends soin, je te prie, le plus que t'en pourras. Et mène-les chez le marchand. C'est assez. Oh, fils impertinent, as-tu envie de me ruiner ?